Bonjour et bienvenue à la partie 4 de Mario Galaxy! Wouhou! La série où Captif Mario fait les voix de tous les personnages, mais avec des doublages vraiment mauvais! Wow! Donc, dans le dernier épisode de Mario Galaxy, Tiff a battu Bowser Jr. Et maintenant, il est parti sur le deuxième monde, prêt à ramasser plus d'étoiles! Oh oui! Donc, trop méga super! Donc là, comme vous avez pu remarquer, c'est un niveau qui fait noir, donc je vous ai donné une impression qui fait noir chez nous aussi, c'est super! Waouh! Je me sens tellement immersé dans ce jeu, c'est incroyable! Surtout avec les voix de tous les personnages vraiment mauvaises. Bon, maintenant, on va parler de Easter Egg, les amis. Voici le vaisseau de Olimar, de Pikmin! Eh oui! Wow! J'aime que j'aime que Mario Galaxy font des références à Pikmin, genre... Tu sais, genre un jeu, genre... Une franchise morte qui sont même pas capables de faire un quatrième jeu. Un peu comme genre... Metroid Prime, là. Attends, quoi? Vous êtes en train de me dire que genre... Il y a un Pikmin 4, mais il n'y a pas de Metroid Prime 4? Attends, vous êtes-tu en train de dire que genre Pikmin, genre... C'est une plus vraie série que Metroid? Aïe aïe aïe! Mon cerveau de genre Tiff Mario! Ah! Genre, wow! Ça veut-tu dire que genre Pikmin c'est des bons jeux et genre je devrais clairement y jouer? Oh non! Le monde va me demander que j'y joue dans les. Dans ma liste de jeux à jouer éventuellement. Oh non! Mais avant de dire quoi que ce soit à propos de Pikmin, je dois sauver des Toads! Bonjour, monsieur Toad, sans lunettes! Je ne sais pas! Tu dois aider mes autres amis! Oui, inquiète pas, je vais sauver tous tes amis! Mais voyons, voyons, c'est super! Pas parce que genre, je veux vraiment vous aider, mais juste parce que genre, si je veux procéder dans le niveau, il faut que je vous sauve! Parce qu'il y a lui ici que genre, qui foutait rien pis qui attendait qu'on arrive! Ah, je suis totalement d'accord, c'est full injuste! Wow! Bonjour, Capitaine Toad! Monsieur Mario! Oui, c'est moi! C'est ça que j'ai dit au début de l'épisode! Allô! C'est moi, le capitaine de la brigade Toad! Oui, je sais que c'est toi le capitaine Toad! Ça fait genre... 3 niveaux que tu me dis que t'es le capitaine Toad! Wow! J'ai déjà découvert un raccourci vers la super étoile! Oui, je l'ai vu aussi! Parce que genre, la cotine, tu passes à travers! Utilise l'anneau étoile qui se trouve au-dessus de l'astronef champignon! Oui! Vas-y, Captain Toad, utilise le raccourci sur ta petite vaisseau-caisse! Oui, je me dépêche! Wow! Du dialogue de merde! Oh non! Mais comment je vais aller atteindre les 5 étoiles d'argent? Oh wow! Les plateformes se génèrent droit dans mon visage! C'est comme si on était dans un champ magnétique ou que genre... Polarisation de genre Mario fait que genre les planètes... Les morceaux de cubes se collent... Regarde, j'ai essayé d'inventer quelque chose maintenant. Wow! Oh my! Je fais tout pour pas genre me planter parce que c'est comme la 4e fois que je recorde ça parce que genre... Je suis vachement mauvais! Pis que genre... Je suis vraiment fatigué pis que comme en ce moment je joue comme un gros couillon! Mais wow! Non! Du premier coup! Super! Là juste pour m'assurer que genre ça ne chie pas en deux pis que genre... Il faut que je fasse du coupage inutile... Je vais tout de suite faire une transition à la prochaine niveau! Transition! Wouh! Et rebonjour! Bon retour de transition! Là, on s'en va péter un boss! Wow! Même bon boss à la Nintendo! 3 coups et c'est fini! Wouhou! Mais c'est correct! Le dernier niveau de cet épisode, genre, cache un boss avec 6 points de vie! Vous allez chier à terre! Ça va être malade! Bonjour, Capitaine Toad! Mario! Ma brigade a abordé la flotte de l'ennemi et nul membre n'est revenu! Oh non, t'as encore envoyé ta gang de larbin pis ils se sont fait pogner! Oh non! En tant que capitaine, je devrais les sauver, mais je suis trop occupé en ce moment! Et parce que je suis un crise de lâche! Oh wow, tu es vraiment un capitaine de merde! Wahoo! À l'abordage! Yarg! Je suis Mario le pirate! Yarg! Ok, j'ai un truc à vous montrer. Vous pétez le gomba qui est là, puis... yarg! Yarg! Je suis Mario le pirate, yarg! Mamma mia! Je me rends compte que j'ai encore moins de choses à dire en tant que Mario le pirate que juste Mario tout court. Wow! Bonjour, monsieur le gomba. Est-ce que ça vous dérangerait que je ramasse les poussières d'étoiles? Non, merci! Ok, wouhou! Oh, wow! Il y a la brigade de Toad! Bonjour! Frappe le coffre avec une carapace et paf!
Tu dis que si je prends cette carapace et que je le fais dans le coffre, ça va faire pif-paf? Oh wow! Pif-paf! Malade! Pif-paf dans le pantoufle! Et toi, qu'est-ce que tu as d'intéressant à me dire? Tu peux lancer une carapace en secouant! Wow! J'ai compris du tutoriel immersif! Mais genre, j'avais déjà compris comment ça marchait! Wow! Merci, Toad! Toad? Ouais. Wahoo! Maintenant, le deuxième secret que j'ai à vous montrer, parce que genre, oui, l'affaire de tourner autour d'une boîte, c'est vraiment un secret, là, tu sais. Ah, wow, plus de poussière de toi. Checkez ça, guys. Cela, c'est une partie secrète du niveau. Checkez. Oh my G, goubou, wow. Cela, ramassez ça, ma gang de vous autres, c'est important si vous voulez, genre, continuer, genre, le jeu, puis tout ramasser. Plein de poussière d'étoiles. Wouhou! Oh wow! Un autre Toad! Bonjour, monsieur le Toad Mauve! Ces maudites niaiseuses de pieuvre me laissent pas passer! Pourquoi pas utiliser mon bon vieux bazooka? Yo! J'avoue, on sort du bazooka! Let's go! Un bon tir de bazooka! Un bon tir de bazooka bien dans leur gueule! Et toi, laisse-moi deviner, tu vas me faire un tutoriel! Si une carapace est hors de ta portée, tu peux pareil turbillonner pour l'attraper! Puis là, je devrais me mettre à chanter, mais là, ça fait déjà comme 3 fois que tu utilises la même blague! Vraiment, sincèrement, merci de ne pas chanter, là. C'est une joke qu'on a vraiment fait, genre, trop souvent, genre... C'est bien que, genre, c'est bien d'accepter à un moment donné que la blague fait assez. Wouhou! OK! Allez, grosse niaiseuse de pieuvre! Coup de bazooka dans ta gueule! Oh wow! Le bateau a du rose dessus, je me demande qui est ce bateau! La musique est épique! Wow! C'est une Madame Magic ou pas? Je vais tellement prendre ce combat au sérieux que genre... Ça va être long. On attend. Ça va pas long. Malade. Wow! J'aime que genre les 2-3 premiers épisodes, j'étais comme Tiff Mario qui est comme juste écœuré de sa vie, mais là genre je me l'éclate, je suis tellement heureux d'être dans l'espace à péter du monde! Genre, qu'est-ce qui rend Tiff Mario heureux? Eh oui, garoché des carapaces sur un gros Magic Koopa rose! Il est mauve, Tiff. Il est mauve. Wouh! Wouh! Wow! Plus de boules de feu! Maintenant, garoche moi une carapace! Et c'est ici qu'on... C'est ton arènement! Yippidou! Oh wow! C'est tellement un beau concept! Il y avait une étoile dans le bâton tout ce temps-là! Wow! T'es-tu en train de me dire que genre... Grâce à des étoiles dans des bâtons, tu peux devenir Harry Potter? Tabouère, c'est malade! Là, la raison pourquoi je dis pas transition, c'est parce qu'on va avoir du dialogue! Wow! Ça va être votre personnage préféré de tous les temps qui va parler! On va aller dire bonjour à la Roselyne! Vas-y, skip, vas-y! Il semble qu'une comète blagueuse est apparue quelque part! Oh wow! Ben oui, toi! Je le vois juste en arrière de ma grosse tronche LED! Il y a freaking une étoile comète filante qui s'en vient, c'est super! Les comètes blagueuses changent radicalement les galaxies. Oh wow, ok, super! Tu vas savoir plus sur ces étranges comètes? Demande aux Cheetos là-bas, là, en mauve. Ah, mais bien sûr, je vais aller parler aux Cheetos mauve. Yahoo! Let's go, on va aller parler aux Cheetos. Oui, plus de sauvegarde, super! La seule raison pourquoi je coupe pas son montage, c'est parce que la musique est vraiment bonne puis je veux pas vous la couper, oui! Bonjour, monsieur le Cheetos Mauve! Sup, G, si tu veux des infos sur les comètes blagueuses, je m'en occupe! Wow! J'aime qu'il ait été créé Hola, mais tu me dis Sup, G à la place! Wouhou! Comment je peux t'aider aujourd'hui? Explique-moi! Dans le fond, là, ces comètes-là sont calissement pas le fun, pis ça chamboule les galaxies! Oh wow, ça a l'air génial de la façon que tu me le dis! Super! Les comètes rouges, ben, si tu manques de temps, tu meurs! Ah, ok, c'est bien, donc je meurs, ok! Les comètes casse-cou, ben, ils te laissent un peu de vie pis tu meurs. Ah, ok, je meurs, ok! Les comètes cosmiques, ben, ils te forcent à faire une course contre toi-même pis tu meurs. Oh my gosh! Je meurs aussi, wow! Pis les comètes jaunes, ben, ça fait que le monde, il se déplace plus vite pis tu meurs. Oh!
C'est mon jeu de chance, je m'amuse avec ça, wow! Pis ça, ben Mario, il va falloir que tu fasses tout ça dans des lives avec ta communauté. Et on va tout explorer ça en live, ça a l'air. Oh wow! Le Cheetos Move vient de décider qu'on va tout faire le comet en live éventuellement un jour. Oh my gosh! Et by the way, genre, j'ai commencé l'épisode directement dans un niveau, mais c'est ici qu'il se passe le deuxième monde, genre, on appelle ça la fontaine! C'est tellement relaxant comme que Black Loom a dit, wow! Je relaxe tellement dans genre... C'est Super Galaxy, genre, qui font des références à un jeu qui est complètement démodé, wow! Qui est... Surtout, genre, plus populaire que, genre, Metroid. J'ai hâte que, genre, Metroid, ça redevienne, genre, vraiment populaire. Ça va être cool, ça. Genre, il y a Dread... Il y a eu Dread qui était vraiment cool. Genre... J'ai adoré Dread. Je veux dire, je ne brise pas le personnage. Aujourd'hui, on parle de Mario Galaxy! Wahoo! Oh wow, c'est Capitaine Toad! Bonjour Capitaine Toad, qu'est-ce que tu vas me dire? Dis-moi pas que ton équipe est encore prise dans un plan foireux pendant que toi tu restes ici! Un membre de la brigade est parti trouver une super étoile! Wow! Je m'en attendais tellement pas! Pis ben il est parti vers cette planète pis il est pas revenu encore, fait il est peut-être mort! Il est clairement mort, je suis totalement d'accord! Wahoo! Bonjour, Mr. les araignées! Je m'en viens péter la grosse maman araignée! Wouhou! Checker ça, speedrun, genre... Never been so fast! Non! Ok, j'ai eu peur pendant un instant, j'étais sûr que genre, je venais de scraper la sauce. Oh, wow! Tu dois avoir faim! Tu dois avoir tellement faim! Oh! Tu veux combien d'étoiles? Oh, tu veux 50 petits morceaux d'étoiles? Oh! Tiens, dans ta gueule. Non, je te nourris pas. Tu vas mourir de faim. Bon, ben, par où je rentre, moi? Ok, par ici. Mamma mia! Je n'arrête pas de briser le personnage! Le monde va tellement être immersé! Oh non! Ils vont penser que j'ai une voix, une vraie voix! Oh non! Go, Mario, arrête de te perdre dans la sphère. À l'infini et plus loin encore! Wouhou! Je peux-tu péter ça? Non. Genre, je comprends pas, t'as comme. T'as ce cristal-là que je passe à travers, mais tout le reste, genre, je passe pas à travers. Fait que, en tout cas, c'est juste bizarre. Je voulais juste dire comme quoi que je trouvais ça bizarre. Ha! Je vous skip. Je vous lance un vent, les mecs. Oh, wow, bonjour, monsieur le Toad! Ah, ok. Je pensais que t'avais quelque chose d'intéressant à dire, mais non. Au revoir. Bye. Oh wow, ça t'as survécu d'une façon ou d'une autre, c'est super. Ah bon ben, ça a l'air que j'étais encore là même si tu me crissais dans l'espace. Yeah! Bonne chance, Mario! Yeah! Wow! Wouhou! Oh non, ah, j'ai manqué le double life. Double life and give it to the next person! Yeah! La fin de la planète araignée, les amis. Oh yes! Mario a fait! Oh wow, le tête est poigné là, genre. Mario, tu m'aides tu? Non, je suis occupé, je peux pas venir te chercher. Oh wow! Mario, génial! Ok! Allô? Pendant que le Todd est pogné, moi je vais continuer à essayer. Ah ok, je cherchais mon curseur, mais mon curseur était vraiment plus direct. Ok, let's go! Fait que là, je vous dis, guys, c'est un boss, genre, qui a plus que 3 points de vie, c'est vraiment malade. Fait que là, dans le fond, genre, tu pognes ça ici, il se veut de bord, pis là, genre, il y a 3 points de vie, genre, c'est ici, comme ça, t'en pètes un, là, genre, tu peux tout de suite y aller. Checker ça. Genre, c'est full concept. Pis là, genre, c'est ici de même. Là, en théorie, ça devrait être déjà fini, mais non! Non, genre, wow! Ils sont allés original, on leur bat une deuxième fois! Mais là, cette fois-ci, genre, ils crachent la morve de comme tout bas de côté! Et à l'aide! Ok, j'arrive, le tout, j'arrive. Yippee, Mario! Merci! Non, mais qu'est-ce que t'attends pour terminer le combat, là? Non, mais... J'essaye, là, je fais de mon mieux. Non, mais Mario, il faut je sais, vite, faut pas que je me fasse pogner, je le sais, mais je manque de talent. Non, mais Mario, bon, arrête okay, j'essaie de pogner. Non, reste pas poigné. Ok. Voyons, c'est bien là! On va la voir.
Non, mais arrête, Todd, arrête. Kuda, Mario, tu sais-tu jouer? Ok, j'allais. Wouhou! Ok, guys, on joue le tout pour le tout. It's the final show! Je peux pas dire ça, c'est genre copyright. Yeah! Un dernier pour la route, un dernier. Juste pour toi, mon petit Todd, juste pour toi! Yeah! Youpi! Tu lui as pété la gueule! J'ai toujours cru en moi, comme mes parents. C'est correct, Todd. On a fait ça pour nous deux. Todd, tu es où? T'es où? T'es où, Todd? T'es où, Todd? Todd. C'est pour nous deux qu'on faisait ça. Mets de la pingue à toi et puis finis l'épisode! Oui! Oui, j'arrête la vidéo drette là. Donc, guys, merci d'avoir participé à la partie 4 de Mario Galaxy! On se dit à mercredi pour la partie 5! Un niveau qui est quand même plus intéressant selon moi. Au revoir et bonne journée à tous! Je vous souhaite une excellente semaine et à mercredi! Bye!